Tu vends des cheats, c'est ça le truc. Viens nous expliquer. Viens nous expliquer. Remember it. À quel moment ça a foiré? À quel moment ça a foiré dans ta vie pour que tu fasses ça? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a eu un accident, ton berceau il a pris feu, ta mère l'a éteint un coup de pelle. Putain! Putain! Qu'est-ce que tu veux nous dire? Écris, tu vas y arriver. Bah j'attends ma défense en vocal. Mais écris déjà là! Comment vas-tu? Salut tout le monde. Ben on a un cheater là ou on sait pas quoi. C'est quoi ton clip tout pourri là? Ça vient d'où ce truc? C'est chaud à ce si jeune âge. T'as quel âge, Raza, mais t'as quel âge? T'as 12 ans? 13? 14? T'as quel âge, sérieux? 17? 17, MDR. Vas-y, viens nous parler. Raxa, viens nous parler. Viens nous expliquer. Viens nous vendre ton cheat. Allez, viens te faire de l'argent. Viens, je me mets sur Discord. Va te mettre dans la salle d'attente. Viens, on va t'écouter. Viens, regarde, je t'appelle. Je t'appelle, Raxa. Fais pas les petits trucs du genre... Ok? Attends, regarde, je t'ajoute en ami. Regarde, on est amis tous les deux. Accepte. Accepte, c'est ton jour de gloire aujourd'hui. Ça et le brevet des collèges que t'as pas eu, certes. Je plaisante. Accepte. T'as accepté? Ok. Allez, c'est parti. Tu vas nous mettre la caméra, tu vas assumer. Tu vas mettre la caméra? Tu vas assumer comme un bonhomme. Tu vas mettre la caméra. Je mets la caméra, on est d'accord. Moi j'ai la caméra, tu mets la caméra, on met la caméra. Ok? On y va ou quoi? Hein? Est-ce qu'on met la caméra, mon petit loup? Raxa, quand même. Hein? Dis-nous tout. Raxa, dis-nous tout. Petite caméra? Petite caméra, Raxa? Raxa? Yo, tranquille? Petite caméra? Petite caméra. Ok, tu voulais nous dire quoi? Écoute-moi bien, t'as pas des questions à me poser parce que là je stresse un peu là. Là je stresse là. Ah normalement je monte pas ma tête hein. Ah oui là tu la montres bien ta tête, ça va le Ducky One? Ouais il est bien hein. Ouais ouais j'imagine ouais. C'est quoi ton clip de merde hein? Ben non mais en fait mon Ducky One je m'en sers pas trop, j'ai juste besoin de courir, ça tue tout le monde. C'est quoi ton clip de merde? Ah c'est un clip avec des pouvoirs. Mais pourquoi tu te cheats sur truc gros? J'ai envie de défoncer le jeu gros, c'est tout. Tu t'es fait défoncer c'est ça? Non je me suis fait balash WID, c'est pas pareil. Et ouais. Tu t'es fait ban? HWID, exactement. HWID, c'est quoi HWID? C'est banni des composants. Ok. Et pourquoi donc, tu fais ça? Bah parce que du coup, je suis obligé de rage. T'es obligé de rage? J'ai rejoint le Plup Gang. J'ai rejoint le Plup Gang et on détruit le jeu. Le Plup Gang, c'est quoi le Plup Gang? C'est un Discord de cheaters avec Yanox et tout. Toi, tu connais, je pense que tu connais Yanox, juste de nom. Non, vous êtes totalement inconnus pour moi au bataillon, les mecs. Ah ouais? Ah ouais. Ah, bah, je pense qu'il y en a qui connaissent VXCO, Yanox et Dani. Dani, c'est celui qui dev le cheat où je t'ai envoyé les clips. Et tu veux pas tu connais leur nom et leur prénom? Mais t'as avisé. Je vais pas donner leur nom et leur prénom. Mais t'es prêt à tout faire, non? Qu'est-ce que je te dis? Regarde, écoute, entre toi vas-y, et moi, Jimo. 50 euros par nom et par prénom lâché. Ah ouais? Ah ouais? Envoie-moi les noms, les prénoms, et je te file 50 balles par nom et par prénom. Et dis-nous okay, tout, vas-y, dis-nous tout, sois la taupe, tu vois. Envoie-les par écrit. Tiens. Envoie-les par écrit, ça, ok? C'est ça. Je les fais pas apparaître. C'est un code wifi, ce prénom. Je les fais pas apparaître, ok? Parce que vas-y. J'ai pas le droit de donner les noms et les prénoms. Je les fais pas apparaître, mais tu me les donneras sur vas-y. Discord, ok? Je t'ai envoyé, je t'ai montré. Moi, si t'as l'adresse aussi, si t'as les adresses, franchement, bah, ça me dirait bien d'aller leur dire bonjour. Leur dire bonjour à leurs parents aussi. Tu veux le numéro de sa daronne aussi? Ah, franchement. Ah, vas-y, fais-moi rêver. Ah, ça, ce serait royal. Que je puisse aller. Son daron. Tu penses qu'ils sont au courant, les parents ou pas? Sa daronne, elle le victimise tous les soirs en vocal. Ah ouais, mais elle sait qu'il cheat ou pas? Bah oui, c'est elle qui paye hein. Il a pas de sous. Vas-y, mais arrête de faire ça mec, c'est ridicule, tu te rends compte ou pas? Non, en vrai, pour les gens comme toi, vous êtes gentils. Donc vous, je vous en veux pas. Ok, mais tu nous pourris quand même l'expérience de jeu. Non, parce que quand je tombe contre Nico et tout, par exemple, tu vois, je cancel. Mais alors? Mais du coup, je pourris pas votre expérience de jeu à vous. Mais tu pourris l'expérience de jeu des personnes qui, in fine, composent le marché sur lequel j'essaye de vivre. Ah, vendre des cheats sinon. ça rapporte beaucoup. God damn it. Pourquoi vous faites ça, sérieux les mecs? Ça fait des sous. Bon, moi je fais pas trop de sous parce que je suis pas le dev. Mais le dev il se fait les couilles en or. Hein. Ouais, en fait vous vous payez comme des gros yanclis quoi. À chaque fois vous dites la même chose. Vous dites ouais, le cheat ça rapporte de la thune. Ça, mais vous êtes ça, des vraiment, vous êtes des ça, clients. Ça, je vais le dire à tout le monde, c'est faux ça. Hein. Ça rapporte des sous à personne de cheat. Hein. Ah. T'as raison, c'est tous des gros clients. Je ouais, le ouais, jure, voilà. C'est tous. Voilà, ça rapporte à personne. Sauf que moi ça m'a rapporté de temps en temps. Il y a des mecs qui me payent pour les monter. Mais sinon,
J'utilise mes sous, j'utilise 100 balles par mois à peu près. Je suis chez mes parents, je travaille, je gagne des sous, donc j'ai rien à perdre. Tu payes 100 balles par mois dans ce jeu pour cheater. Ouais, à peu près. Sans compter les comptes. Parce que j'ai un compte, enfin j'ai un site avec des comptes volés. C'est là-bas où j'achète les comptes pour rage dessus. Et du coup, c'est là, ça coûte aller à peu près 5-10 balles par mois. C'est 1€ le compte level 50. Mais ça sert à quoi? Bah c'est drôle, on stream hack les streamers. Mais du qui coup, et pourquoi? On stream hack tout le monde. Bah la preuve que non, tu disais Ryu, il est sympa, moi je suis sympa. Oui, mais non, mais par exemple, tu connais Mowgli, Linko et tout? Ça c'est nos cibles, Valkja aussi c'est notre cible. C'est notre cible première. Valkja vraiment, elle nous aime pas elle, je crois. Elle a 30 viewers, 50 viewers mec, elle essaie d'en vivre, etc. Ouais mais je lui souhaite un peu du mal, hein. Je suis désolé mais... Je suis vraiment désolé. Je lui souhaite du mal à elle, hein. Pourquoi? Parce que elle parle trop mal, elle parle mal, elle fait des trucs de fou. Et moi je parle pas mal, moi j'insulte un viewer sur deux. Ouais mais toi c'est drôle. Ah ouais? Ouais comme dit Nico, Non je vais pas dire. Ah bah vas-y, hein, tu peux, hein, là t'es parti, là, hein, vas-y, fais-nous un monologue. Bah, hein. Avec ton âge un peu âgé, comme on peut dire, quand t'insultes, c'est drôle. Mm-hmm. Non mais après, t'es jeune, hein, c'est pas pour... Je sais même pas quoi dire. Non, en vrai, t'as tu peux pas dire... J'aimerais bien t'insulter, honnêtement. J'aimerais t'insulter, non. Partir dans le... Non, laisse-moi parler. J'aimerais t'insulter sur 4 générations, etc., te traiter de fils de pute, machin. Mais j'ai déjà montré par le passé qu'il y avait des personnes qui avaient fait de la merde et que j'ai dit, ah, on peut quand même les excuser, on peut avoir une seconde chance. T'as pas l'air d'être un mauvais gars, mon gars. T'as pas l'air d'être un mauvais gars. Oui, mais on s'en fout des dédicaces, mec. T'es pas sur Skyrock, là. Mais non, mais c'est pas une dédicace. C'est-à-dire, il y a des gens, je leur laisse des chances comme Hercule Clair, quoi. Bah ouais, si on est prêt à s'excuser, pourquoi pas, tu vois. Si on est prêt à faire table rase du passé, à admettre ses erreurs et à dire pourquoi pas. Je suis pas juge, moi, tu vois. Je suis pas juge. Et toi, tu m'as l'air d'être un bon gars. Donc pourquoi tomber dans ces trucs-là? Pourquoi tomber dans cette toxicité? Ça doit être une espèce de comment dire, votre Discord, là, ça doit être une espèce de conglomérat de gamins de 17-18 ans qui n'ont jamais piné de leur vie, sérieusement, qui sont jamais sortis, qui touchent pas la pelouse. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on est là-dedans ou... Oui, ça pue, en plus, ils transpirent tous. Bah ils ouais, mais les gars, franchement... Vraiment, ils se lavent jamais. Sortez, commencez à mettre des têtes et tout. Franchement, ça te fait pas rêver ce que BDS ils ont fait, etc. Moi, je suis plus, je te mens pas, juste je ranquette vite fait, je cheat. Ok, mais ça t'emmerde pas à chaque fois de te connecter et d'arriver dans une espèce de pure grosse toxicité, quoi. Mais non, j'ai un compte, j'ai mon main où je cheat pas dessus. What the fuck, man? Oh là là, je vous comprends pas, franchement. Je sais. Mais bon, regarde, un cheater qui vient en vocal et qui met sa cam, t'as déjà vu ça? Non, c'est pour ça que moi, je suis toujours pareil. J'ai une grande gueule, mais quand les gens ont une grande gueule en face, je vais pas les. Je suis prêt à dialoguer avec tout, quoi. T'es quoi sur ton main, du coup? Je suis champion toutes les saisons, mais par contre là, je vais vraiment pas te donner le attends, pseudo. Attends. On sait jamais. T'es champion toutes les saisons. Ouais, mais je joue avec des closettes. Donc tu te fais booster? Je suis ta balle boosted sur le compte, mais oui. C'est quoi le but? C'est comme ça, j'ai un compte et je vais le revendre quand j'arrêterai le jeu. Non, mais moi je m'en fous en fait, je suis pas la police, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de lien avec Ubisoft, je leur parle pas depuis 3 ans, ils me parlent pas depuis 3 ans. Donc bon, si après vous voulez faire votre truc, c'est à eux de faire la police et ils interviendront quand ils ont... J'ai pas que ça à foutre, tu vois. Je passe déjà assez de temps dans cette communauté pour faire des trucs bien pour les personnes qui méritent. Et je vais pas commencer à faire la police pour les personnes qui, entre guillemets, méritent pas. Je suis désolé. Eh les gars, vous êtes perdus, c'est tout. Vous êtes perdus à un moment. Et c'est con, c'est franchement. Et c'est vraiment dramatique. T'as pas des. Tes parents, ils savent ce que tu fais. Ouais, mais après, ils s'en foutent. C'est des jeux pour eux. Ok. Mais ils savent que tu cheats. Bah ouais. Et ils savent que tu dépenses autant de thunes tous les mois. Ouais, mais je mets de côté, donc ça va. Je mets de côté tous les mois. Juste, je me laisse genre. Imaginons, je gagne 1000€ par mois. Je me laisse genre 800€ côté, je me laisse 200€ pour de ce que j'ai envie d'acheter. Ah, franchement, tu me laisses bouche bée. J'aimerais avoir la répartie nécessaire, mais je sais même pas quoi dire en fait. J'ai même pas les mots. Ça me désole. Ça me rend triste. C'est le mot. Je suis triste. Je suis triste d'entendre ça. Arrête avec ces 100 balles balancées là par mois dans du cheat sur Rainbow Six en plus quoi. Et qu'est-ce qui te motive à faire ça du coup, on te demande? Ça fait de la pub, mais comme je joue pas beaucoup, je peux pas trahir le jeu. Je fais vite fait. Et... Mais quand mec, mais il y a genre zéro. À la limite, tu vois, franchement, tu tombes contre un truc, je sais pas, t'as envie de te venger, t'es dans une logique de vengeance, machin, truc, bidule. Ok, je pourrais presque le comprendre, ça, tu vois. Mais où est-ce que... Mais il y avait zéro fun, c'est pas possible pour moi, c'est impossible d'arriver, d'appuyer sur un bouton, ça tue tout le monde. Il y a pas de fun là-dedans. Ouais, mais après, il y a plein de features à tester, c'est pas juste tu cours, tu tues tout le monde. Il y a du rappel à travers le mur, il y a du fly, il y a tout. Il y a plein de trucs à essayer. Là, il a sorti une nouvelle feature, là. Je peux me téléporter avec le drone de Flores et ça tue les gens. Genre, ça explose
Ça se téléporte sur eux et le drone il explose. What the... Je peux te montrer si tu veux là. Non, non, c'est bon. Franchement, ça ira. Non, mais j'imagine, je vois le truc. Du coup, par rapport à ce que Ubisoft a annoncé, est-ce que ça va changer quoi que ce soit ou pas du tout? Ils ont dit qu'il y avait une mise à jour qui faisait que ça changeait tout le temps de version et que ça va rendre le cheat beaucoup plus difficile. Dany l'a déjà bypass. Il y a que lui qui l'a bypass là sur le marché du cheat. Comment tu sais ça? Bah, parce qu'il nous l'a dit et le moment. Et en gros, ça s'appelle le custom build. Et en gros, quand ils ont ajouté le custom build, il n'y a plus aucun cheat qui marchait. Sauf sur certains comptes, tu pouvais cheat encore. Mais genre sur 90% de tes comptes, tu pouvais plus cheat. Et le soir même, Dany, il a bypass. Et tu pouvais cheat sur tous les comptes que tu voulais. Et après, ils l'ont remove 2 jours après, donc ça sert plus à rien. Mais quand ils vont le ressortir prochaine saison, tu pourras toujours cheat avec ce cheat en tout cas. Ouais, les gars, je comprends pas. Franchement, je vous comprends. Surtout faire chier des streamers Rainbow Six, quoi. Tu vois, ça me rappelle ce que vous êtes en train de faire néanmoins avec tous les cheats, avec tous les streamers. Ça me rappelle exactement. Je comprends pas quand les mecs quand décident de brûler. Tu vois, dans les années 2000, il y avait parfois, tous les ans, les mecs ils brûlaient des caisses, tu vois. Ils brûlaient des caisses, ça les faisait marrer, c'était le 31, ça brûlait des caisses. J'ai jamais compris, en fait, je me disais dans ma tête, je sais pas, ou alors peut-être que je suis pas câblé pareil, mais je me disais, mais quitte à aller brûler une caisse, tu vois, si t'habites à Paris, va la brûler dans le 16e, va brûler une Porsche, tu vois, va pas brûler la Renault 19 de ton pote qui habite en bas et qui est déjà au RSA, en fait. Et vous, c'est ce que vous faites. Quitte à faire ce que vous êtes en train de faire, allez le faire avec des streamers qui ont déjà 15 000 subs, qui se font 30 000 euros par mois, tu vois. Quitte à le faire, j'encourage pas au fait de le faire, mais plutôt que de le faire dans Catimini avec là où tout le monde galère, tous les streamers de Rainbow Six galèrent en ce moment. Il n'y a aucune personne, ok, qui est riche dans la communauté de Rainbow Six et des streamers, ok. Personne. Riche, je suis pas en train de te dire 1 million. Riche, je te dis plus de 4 000 nets par mois. Personne fait ça. À part des joueurs pros, c'est tout. Aucun créateur de contenu, donc les faites pas chier, quoi, sérieux. Les streamers, c'est cool, mais les joueurs lambda, frère. Bah ouais, j'avoue, les joueurs lambda, c'est encore pire, quoi. Eux, ils payent, vous payez, et... Pff, ouais, j'ai une question, mais... j'ai juste une question. Tu penses que Dany, il se fait combien par mois? Je sais pas, mon gars, j'en ai aucune idée. Que veux-tu que je te vraiment, dise? Vraiment, à son prime, je parle d'il y a 4 mois. Bon, je sais pas si t'as vu un cheat où tu pouvais rappeler à travers les murs, mais bien, genre, à l'époque. Je pense, il devait être à son prime, à 150 000 euros par mois, avec tout le monde qui payait 150 000 euros pour OS, 150, 200 000 voire. Ouais, ok. Que veux-tu et il a 18 ans, je crois. 18 ou 19. Ouais, mais l'argent justifie pas tout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, lui, il a été. Enfin, c'est après, il y en a pas 10 000 comme lui, hein. Il y en a 2 peut-être sur dans le truc qui gagne autant que lui. Mais c'est pas lui le plus con hein, dans l'histoire. Hein. Comment ça, c'est pas lui le plus con? Mais le plus con, c'est celui qui, c'est ceux qui l'utilise, genre comme moi. Lui, il a fait quoi? Il est juste fort en informatique, il dev, c'est tout. Ouais, je sais pas quoi dire, poulet. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Oui, je pense néanmoins que effectivement, c'est plutôt le consommateur final qui est... Mais les gars, franchement, arrête ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aucune gloire à tout ça. Ce que je peux te dire, et je vais pas te dire moi, tu vois, je vais pas me faire passer, je suis pas ton père, je suis pas machin, etc. Je vais juste te lire dans une boule de cristal, ok? Toi, dans 10 ans, toi, hein, pas personne d'autre, pas ton père, pas ton machin, toi, dans 10 ans, je te promets que tu regretteras ce que tu as fait là. Pas regretter dans le genre une menace, mais tu le regretteras vraiment, psychologiquement, tu te diras, waouh. Vraiment, tu le regretteras. Vraiment, toi-même, pas moi, pas les autres, personne te jugera, etc. Mais le pire des jugements, c'est celui qui viendra dans quelques années de toi-même quand tu regarderas dans ton passé et tu diras « Bah putain, c'était pas ouf quand même. » En attendant, sors de tout ça. Fais gaffe, c'est un environnement toxique. J'ai rien d'autre à dire, en fait. Je n'ai rien d'autre à dire. Je pense que je vais me mettre à closette, du coup, hein, comme tu m'as dit ça. Pourquoi? C'est mieux? Mais non, faut, mais ça sert si à je vais les cheat, ça va être une catastrophe. Et alors? Ça a été une catastrophe pour absolument tout le monde. Là, j'ai eu mon diamant de les cheat, en vrai. Donc ça va. Tu te feras ta propre morale. Tu vis ton expérience. Tu te feras ta propre morale dans quelques années. J'en suis absolument certain. J'en suis absolument certain. Sache que ça pourrit des vies. Vraiment. Ah, littéralement, ça pourrit des lives. Vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, après, c'est une game. C'est pas comme si c'était toutes tes games ou toutes les games de quelqu'un. Une game plus une game plus une game. S'il fait 150 000 euros par mois, il suffit de faire un calcul assez rapide pour s'apercevoir, multiplié par le prix que tu me disais tout à l'heure, que ça fait déjà 150 ou 1500 personnes en tout cas. Et 1500 personnes, s'ils font ça une fois par mois, du coup, ça fait combien par jour? Ok? C'est toujours pareil en fait. Tout le monde considère que lui, c'est dilué dans le truc en se disant, ah machin. C'était qu'une game, quoi. C'est toujours pareil, hein. Il n'y a rien de pire que ça, au final. Il n'y a rien de pire que ça. Les pires choses que l'humain a pu faire, c'était toujours des personnes qui, individuellement, se disaient « Oui, mais je l'ai fait qu'une fois. » Bah ouais, tu l'as fait qu'une fois. T'as tué qu'une personne, mais ça a provoqué une guerre. T'as fait que ça une fois, mais ça a provoqué ça.
Bien sûr, un mouvement de groupe où on a tous tabassé un mec, mais moi je lui ai mis qu'une baffe. Bah ouais, mais il en a pris 1000, le mec est mort. Et ça ne dilue pas la responsabilité que t'auras sur ça, quoi. Bref, mais j'ai pas de morale à te donner. Je te dis juste, dans quelques années, parce que tu m'as l'air intelligent, tu t'en apercevras toi-même et tu regretteras, malheureusement. Voilà, quoi. À moins de changer la donne tout de suite et de te dire, vas-y, j'ai fait de la merde, c'est bon. De toute façon, avec ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Il y a personne jamais qui va me pardonner. Hein. J'ai trop fait de trucs. J'ai trop explosé le jeu. J'ai tellement fait de trucs, c'est impardonnable. Ouais, t'inquiète. Il y en a d'autres qu'on cheatait. Et dans ce jeu, on a déjà montré qu'on pouvait visiblement se rattraper. Hein, voilà. Thank you.